Christine, vous créez l'événement le 27 février à Caussade. Alors oui, nous créons l'événement, effectivement, en nous organisant avec une grande soirée événement. Tout cela pour marquer effectivement la reprise de l'agence. L'agence qui est la même depuis 8 ans sous le nom de Quercy Évasion et qui s'est modernisée avec le nom d'Évasion sous ma direction, mais toujours avec la même équipe. Donc pour faire une belle soirée événementielle, j'ai prévu beaucoup de choses pour mes clients privilégiés et aussi pour d'autres clients sur la seconde partie. Un spectacle de chant et de danse du monde, mais aussi donc un grand bal dansant avec ma partenaire et amie Sylvie Noge qui est juste à côté et qui va, je pense, se présenter aussi. Donc c'est une soirée où nous attendons effectivement beaucoup de gens qui vont venir nous voir. Comme je vous le disais, on met l'accent sur plusieurs lots à gagner, plusieurs voyages, puisque le but du jeu, bien sûr, c'est de voyager et de bouger, puisque donc nous sommes là pour ça. Avec Sylvie, notre envie, c'est de faire bouger le 82. Et donc, venez nous voir. Donc Christine, une amie rencontrée seulement l'année dernière, où il y a à peu près un an et demi, avec qui on a fait un beau séjour en Espagne à Santa Susana, que l'on renouvelle cette année au mois de septembre, de fin septembre à début octobre. Voilà, donc on a décidé, oui, c'est ça, de participer, enfin l'orchestre, elle m'a bien gentiment invitée pour animer la soirée dansante. Donc on espère rencontrer les danseurs fidèles de mon orchestre. Ça fait 15 ans cette année que l'orchestre de Sylvie Noge existe, voilà. Et on espère rencontrer de nouveaux danseurs et notamment éventuellement les clients de Christine qui n'ont pas encore eu l'idée de venir danser sur les pistes du Tarn-et-Garonne. Voilà.